Il y a un petit moment maintenant que la recharge sans fil existe et comme je suis doté de l'un des derniers iPhones, j'ai la possibilité de recharger mon iPhone sans utiliser de câble. Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un chargeur sans fil de la marque nommée Oakley. Ce chargeur a un design très bien travaillé avec comme matériau pour la face avant du bambou naturel. Donc c'est du vrai bambou, c'est la plante, c'est le vrai bambou. Et pour la face arrière, donc on a de l'alliage d'aluminium couleur argent. Donc je peux vous dire que aluminium plus bambou, bon devant c'est plus pour l'esthétique mais c'est du costaud quand même. Je peux vous dire que c'est très robuste et que je pense pas que ça va se casser au fur et à mesure du temps. On retrouve sur la face avant ici sur le côté une petite diode qui va nous permettre de voir si notre smartphone recharge ou non. Et derrière on retrouve un port micro USB qui va nous permettre de mettre en service le système, donc le chargeur sans fil. Donc c'est bien sûr on a le câble fourni avec, donc c'est un câble micro USB vers USB normal. Donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas d'USB type C. Après pour ce système là, bon c'est pas très grave parce que c'est juste un chargeur. Mais voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'on rentre aujourd'hui dans une période où l'USB type C devient de plus en plus important. Et c'est un petit peu dommage que ça aille pas, mais bon, c'est pas très grave. Ce chargeur rapide délivre une puissance de 10 watts pour les recharges, mais manque encore de rapidité chez le constructeur Apple. Donc voilà, tout ce qui apparaît Apple en recharge sans fil, c'est pas très rapide. En revanche, sur les smartphones Android tels que Samsung, Nexus, LG, voilà, et plein d'autres marques, ça se débrouille plutôt bien, ça se recharge quand même assez vite. C'est plutôt un bon point positif pour les smartphones Android. Par contre, chez Apple, on est un peu dans la merde. Alors, gros point négatif sur ce chargeur-là, il n'a pas la certification MFI. C'est-à-dire que la certification MFI, ce produit-là n'a pas été testé pour les produits Apple. Donc, c'est-à-dire que voilà, Apple n'a pas testé ce produit. Donc, vous achetez ce produit, certes, ça peut marcher avec les iPhone XS, iPhone 8, tout ça, etc. Mais il n'a pas été testé. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est à vos risques et périls. S'il y a un souci, voilà. Si vous avez la garantie Apple, normalement, ça ne va pas être pris en compte parce que voilà, c'est pas certifié. C'est un petit peu dommage que c'est pas certifié parce que ce produit, franchement, il est de super bonne qualité. J'espère que dans le futur, il pourra être certifié. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas de certification. Donc faites attention pour vos produits Apple et produits Android. Il n'est pas certifié, donc c'est à vos risques et périls si vous l'achetez. Moi, pour le moment, ça fait un petit moment que je m'en sers. J'ai jamais eu de soucis. J'espère que ça va durer. Je pense pas qu'il y aura des soucis avec ça parce que il en a dans le ventre. Après, d'après la marque, cet appareil vous protège des surchauffes, des coupes-circuits et des surtensions. Voilà, c'est trois choses que cet appareil vous protège. Donc j'ai pas essayé, mais voilà, on fait quand même un petit peu confiance à la marque. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas testé. Concernant son prix et sa couleur, on est sur un prix de 27€ sur le site de chez Amazon avec la couleur argent. Donc il n'y a qu'une couleur, c'est la couleur argent avec le bambou naturel. Ouais, il n'y a que ça. Voilà, le prix, il est bon. Il serait bon s'il y avait la certification. Là, il n'y a pas la certification. Donc pour moi, le prix, voilà, il dépasse un petit peu. Mais même, voilà, après, il faut comprendre que c'est de l'aluminium. Derrière, quand on le touche, on le sait très bien que c'est de l'aluminium. Dessus, c'est un très bon bambou naturel. C'est super bien fait. La qualité est au top. Il n'y a rien à dire. Voilà. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas la certification sur ce produit-là. Après, il serait vraiment top parce qu'il marche très bien. Donc, moi, les amis, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo sur ce chargeur de la marque Oakley, le chargeur à induction compatible avec tous les appareils qui ont la recharge à induction, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Si ça vous intéresse d'acheter ce produit, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Moi, je l'ai testé sur mon iPhone. J'ai vraiment eu aucun souci. Ma batterie n'a pas diminué parce qu'on peut voir dans les réglages si notre batterie, voilà, elle commence à être endommagée. La batterie marche super bien, il n'y a aucun souci. Donc je pense que ce produit, même s'il n'est pas certifié, c'est quand même un très bon produit. Donc si vous voulez l'acheter, le lien est dans la description de la vidéo. Ça vous redirigera sur le site de chez Amazon. Et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut !